taxi clandestin. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain, c'est de capter le réel, l'authenticité, le cinéma réalité, c'est quelque chose qui me passionne énormément. C'est quoi ça? C'est quoi ces affiches? Barka ma tlsqfihom. Rayna dar ma3ak. Si on revient au mot papicha, c'est tout simplement jeune fille plutôt émancipée qui s'habille de façon, on va dire, assez moderne. Et du coup, la mode, c'est vrai, est un élément finalement d'émancipation et de résistance quelque part. Habandir un défilé. Vous allez défiler pour moi. Tu veux prendre une balle, c'est ça? La classe, c'est le papicha. Ce que je voulais montrer aussi, malgré toute cette difficulté, ces obstacles, cette misère, on va dire, sociale, politique, sécuritaire, on a la complicité et la solidarité. Et c'est ce qui sauve finalement ces femmes, et l'humour. Qu'est-ce que la cité a débordé, la ciel ouvert. Il y a eu un énorme travail sur la mise en scène puisque je voulais absolument retranscrire la pulsion de vie. C'est-à-dire que ce qu'on fait avec cette caméra très proche, on essaie d'être en immersion avec ces jeunes femmes. On essaie d'épouser chaque moment de leur vie. On essaie d'être au plus près des corps, des tissus et de ressentir finalement cette pulsion de vie. Moi, je suis bien ici. C'est pas facile, faut se battre, c'est tout. Merci beaucoup pour tous ces applaudissements très chaleureux. Dans Papicha, ce qui m'intéressait, c'était effectivement de raconter un film sur la pulsion de vie, mais de raconter essentiellement l'histoire d'une jeune femme qui va au-devant des obstacles pour arriver à réussir son défilé de mode. Donc il y a un point de vue très particulier qui concerne une génération qui est en devenir, puisque c'est la génération qu'on a appelée aussi la génération sacrifiée. Le film sort le 9 octobre. Merci Moumia.